Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo concernant une partie de ma base autonome durable. Et cette petite partie sera consacrée à la réserve d'eau dont je dispose et sur une petite production pour la réserve alimentaire. Pour la réserve d'eau, c'est en priorité en contexte normal pour mon jardin, mon jardin et mes plantes de jardin. Et la partie potager, c'est pour produire ses légumes, pour avoir une certaine autonomie alimentaire et que c'est quand même mieux de manger les légumes de son jardin. Et en même temps, je montrerai mes poules, voilà, parce que j'ai deux poules. Et je trouve ça sympathique et très intéressant pour l'autonomie alimentaire. Je commence cette vidéo en filmant ma casquette avec ma devise préférée, qui est donc trade on me, qui est, je vais dire, un organisme américain. Et voilà, c'est un truc qui est important pour moi. Et Don't Tread on Me veut dire ne me marche pas dessus. Ça veut dire que c'est comme les serpents, c'est le symbole de l'association. Le serpent, si tu le fais pas chier, si tu le marches pas dessus, tu ne mords pas. Bon voilà, c'est un peu mon principe. Je garderai une certaine. Les plans que je vais effectuer avec en filmant seront restreints parce que je veux garder une certaine vie privée. Voilà. Et c'est parti pour la petite démonstration. Question eau. Voilà. J'ai essayé de faire un plan assez large. Première partie, gros récupérateur d'eau, 1000 litres, branché sur la gouttière. Une bonne pluie, ça remplit vite les 1000 litres. C'est un réservoir qui me sert de réserve et qui me permet, vous verrez après dans mon jardin, qui me permet d'alimenter mes autres récupérateurs, d'avoir de l'eau dans le potager à proximité. Ça m'évite de faire des va-et-vient. Voilà, première partie, le gros récupérateur, 1000 litres. Voilà. À savoir que lors d'une grosse pluie, en une heure, c'est rempli. Voilà. Pour info, j'ai rajouté aussi des vignes. Voilà. Des pieds et vignes. Or, quelques pieds sont tout petits. Mais bon, voilà, je voulais des pieds de vigne. Avant d'aller au potager, concernant mes poules, voilà, je voulais deux poules. Alors, je sais pas si on va bien aller voir ces belles poules. Voilà. Voilà, moi je les ai appelées poulettes et cocottes. Ça me donne environ 1 à 2 œufs par jour. Voilà, les œufs exceptionnels. Des vrais œufs, pas de poules en batterie, maltraités. Parce que, je ne supporte pas qu'on fasse du mal aux bêtes. Et quand je vois la beauté des poules, je comprends pas qu'on puisse faire des mal à des bêtes pareilles. Voilà, ça c'est mes poules. Une autre partie qui est intéressante, qui est le bac à compost. Ça évite de balancer tous les déchets alimentaires à la poubelle. Voilà, si je peux faire mon petit geste de moins. Moi, mettre de déchets dans mes poubelles, je mets un maximum dans le bac à compost. Des fois, ça attire un peu les bestioles, mais à l'intérieur, les souris, mais bon. Bac à compost, très important.
Concernant mon potager, alors là, bon, on va faire, essayer de faire un peu en large. Vous voyez, ça ne voit pas trop bien. Pour l'instant, j'ai 4 récupérateurs d'eau, hein, dont je trace vase du gros de 1000 litres, 4 récupérateurs de 350 litres. Ça me fait 4 fois 350, ça fait 1400 litres. Direct à portée de main dans le potager. Hein, plus les 1000 litres du gros, ça me fait 2400 litres d'eau de pluie que je peux utiliser en cas de réserve, en cas de rupture de la normalité. A savoir que bah, pour avoir de l'eau de pluie, moi ce que je préconise c'est 1. La préfiltrer avec un filtre à café. Et quand elle est préfiltrée avec un filtre à café, rajouter au moins 4 à 6 gouttes d'eau de Javel pure pour aller d'eau. Voilà. Je fais le tour. Dans mon potager, là j'ai planté des patates. Hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 11 rangs de patates. Hein, alors les patates, c'est pas des patates d'Espagne. Hein. Patates bretonnes. Ici, on voit mieux les récupérateurs d'eau. Par la même occasion, bah, j'ai planté des échalotes et des oignons. Voilà, un petit carré. Ici, dans ce carré-là, ben, y a des haricots de plantés et des courgettes. Voilà, quelques pieds. Et ici, j'ai planté du basilic et du persil. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais je vais en replanter de l'autre. Hein. Côté hier, j'ai planté les patates, j'ai planté les tomates, j'ai récupéré les tuiles charentaises, voilà, que j'ai installé comme ça. C'est la première fois que j'utilise ce système. C'est pour les protéger un peu du gel, hein, je mettrai les piquets après. Et mon épouse a mis, pour tout ce qui est parasite, on met des œillets d'Inde. Des œillets d'Inde. Voilà. Voilà, ça fait 10 pieds de tomates plantées hier. Et ici, le dernier carré, eh ben, c'est les carottes. 3 rangs de carottes. Tranquille. Voilà. Alors voilà, mon potager. Très simple. Voilà, mais franchement, je m'arrache pour faire un truc bien. Que compost, récupérateur d'eau. Savoir qu'en plein été, la consommation d'eau pour le jardin, c'est une dizaine d'arrosoirs tous les deux jours, tous les deux trois jours. En comptant 1400 litres là plus 1000 litres là-bas, ça va vite à vider. Mais bon, c'est ce que je paye pas et ça me permet d'avoir une autonomie en eau. Sachant que mon autonomie en eau supplémentaire, bon, j'ai le cumulus hein, qui contient 300 litres d'eau potable. Et la cuve des toilettes qui contient 13 litres. Voilà cette petite vidéo pour vous montrer une partie de ma banne. Hein. Et n'hésitez pas à faire un petit potager, franchement c'est super intéressant. Et ça vous permet de manger vos légumes et d'avoir une certaine autonomie. Ce qui est un peu la base du survivalisme hein, quand même. Sur ce, voilà, merci de regarder ma chaîne, n'hésitez pas à liker. Et à bientôt sur ma chaîne.